Toi aussi, tu galères pour ranger ton Equinox dans un sac à dos? Eh bien, grâce à la nouvelle poignée basculante, fini les galères! Avant, les poignées basculantes, c'était ça. Elles étaient toutes imprimées en 3D, donc ça prenait beaucoup de temps à dévisser. C'était une vraie galère, mais surtout, le gros problème, c'est qu'elles finissaient toutes par casser. Alors, on les a testées pendant 2 ans, et à chaque fois, elles ont un défaut. Regarde, ici, ouais, celle-là, elle commence déjà à se casser. Puis, il y en a d'autres qui nous étaient retournées au bout de quelques sorties. Et puis, la qualité des fabrications, regarde, c'est pas génial non plus, hein. On les a vraiment toutes testées, ça, ce qui est sur eBay, le bon coin. Eh bien, celle-là, elle n'a plus de problème. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas imprimée en 3D, elle est produite en série avec un moule qui a coûté 15 000 euros. Et c'est de l'injection plastique. Donc, c'est incassable, c'est très résistant. Mais surtout, en 2 secondes, tu déplies ta poignée et tu la remets. Fini la galère des vis, la nouvelle poignée basculante, c'est la meilleure du marché et elle coûte seulement 39 euros. C'est-à-dire le même prix que vous pouvez trouver les modèles bas de gamme qui cassent tout le temps sur eBay. Regardez comment ça marche. Ça fait 2 ans que vous nous demandez qu'on commercialise ces pâtes à bascule imprimées en 3D, donc on les a toutes testées. Elles sont pas terribles. On voulait vraiment quelque chose qui tienne la route et c'est pour ça qu'on a mis l'argent. Et là, vous avez vraiment un produit qui tient la route, d'autant qu'il s'adapte sur toutes les cannes. Il s'adapte sur la canne d'origine, vous voyez ici, hop, mais aussi sur la fabuleuse canne télescopique avec le canal, hop, mais également sur la canne télescopique et en S. Ça se monte sur toutes les cannes et même sur les Detected. Attention, il faut que votre canne, ce soit une Detected, soit que ce soit une des cannes avec le petit couloir en dessous, vous savez, celle qui ne vrille pas. Et bien sûr, vous pouvez la mettre sur n'importe quelle canne d'Equinox. La pâte à bascule, tu la trouves à la boutique du fouilleur, tu vois, elle est là. Et il y a tout ce qu'il faut dans la boîte. Tu as la pâte, un deuxième anneau et la visserie. Un seul endroit pour trouver la pâte à bascule, www.lefouilleur.fr. Bonne détection à toi!